Nous devons d'abord déconstruire les mensonges, attaquer le mal, et puis après nettoyer ce qu'on solo là, makambo itali paix. Ça dit tomani ko demander manipulation parce que kadame t'es sanguinaire. Kadame viva na ekaka na bomengo ya Congo. Do you know that we have some minerals here? They may be sure and you find in the Congo, but we have some minerals. In fact, the coltan which they talk about, we have a lot of coltan, and it is of a much higher quality than you would find coltan anywhere, including Congo. Balandia Congolais Télévision, de partout au Colanda Bisso à ce net moment, en moté, Nabino Nyonso, Toebiki Bozali, Ebele, Oyo Bozali, et branché à ce net moment, Colanda Masolo et Mboka. Programme Nabino, Bosepela Kanango, Mingi, la Congolais Télévision, et Payouapi, et Toko Solola. Masolo est allé République démocratique du Congo, et Sengeli Bosimba était République démocratique du Congo après accord Oyo et l'Union européenne, la Sile signé na Rwanda accord ezali ya global gateway oyo Union européenne alobi que Rwanda zali na ba minerai et oyo ko permettre transition énergétique. Donc République démocratique du Congo asili ko riposter le loyo et à travers ministre ya affaires étrangères, le vice premier ministre, ministre Christophe Lutundu l'a exprimé au chef ya Union européenne la désapprobation du gouvernement congolais concernant les protocoles d'accord conclus entre l'Union européenne et le Rwanda sur les chaînes de valeur durable pour les matières premières critiques et stratégiques. Parce que Tosimba était COP27, RDC, Mutalimaki, pays solution. Mais l'Union européenne a dribblé la République démocratique du Congo. Bah, conséquence, Nayango, Tokozela, parce que les autres Tokozela, Namona Moka, Ibongo, acteur politique, Nakata République démocratique du Congo, Motoyo, Akosala, la prouesse au sein de la scène politique et République démocratique du Congo, les autres Tokozela, compte tenu, il y a la question d'actualité, il y a Makassi, et et le Conseil de sécurité des Nations Unies vient de prononcer des sanctions contre Wilingo Mawazalibongo, porte-parole, il y a la M23. Tout le temps, la paix, tout le temps, ça, parce que les gens, tout le temps, ils ont fait l'actualité, parce que tout le temps, déjà, point de presse, Paul Kagame a dit que ça, Paul Kagame a dit que le Rwanda a du coltan de meilleure qualité plus que celui qu'on peut trouver en République démocratique du Congo. Vrai ou faux? Déjà, Nabanzi était bako illustré les bisous point de presse à Kagame. Tokozonga. Do you know that we have some minerals here? They may be fewer than you find in the Congo, but we have some minerals. In fact, the coltan which they talk about, we have a lot of coltan, and it is of a much higher quality than you would find coltan anywhere, including Congo. Try and do some research about it. People will tell you the story. It goes up to about 40, even up to 60%, where in Congo it's about 20-30%. For the content of coltan. Ask, investigate, you know the truth. So, then gold, we have gold, you know, in the old days when you were fighting war here, somewhere in the northern part, Chumbi, we used it to pick gold, alluvial gold from. Is a place, is it Chivuye or something? Miove. It is Miove. We used to pick gold. People would be in ambush waiting for the enemy and they find gold and it. And I'm not dramatizing anything. So we actually have gold, which
is even on the surface, in the middle of it, sorry. So, I mean, these are all just useless stories to divert people away from the real problem. Avec le président Tshisekedi, il y a de la volonté. Il y a de la volonté correcte. Il y a de la volonté. Ce n'est pas une volonté hypocrite où vous faites des choses pour faire voir aux gens comme ça sur les plans formes et, bon, et vous travaillez. Mais dans les formes, vous signez des contrats obscurs pour détruire les pays au détriment de la population. Là, là, ça, la volonté. Mais à l'époque, avec Joseph Kabila, ça nous le savons. On a eu combien de désaccords ici dans notre pays? Ça nous a amené. Tout ce qui arrive aujourd'hui dans la République démocratique du Congo, Ezali, na épaule à Joseph Kabila. Mais effectivement, moi je l'ai toujours dit. Si Joseph Kabila Kabang avait une très bonne politique intérieure et extérieure, il pouvait nous épargner la babouzo baouno sur tout le monde. Mais vous aussi, vous parce avez. Parce qu'il faudrait. Vous avez, rappeler, vous avez pris part à la régime, il y a Joseph Kabila avec Mwanambouka Lambert, mais la CCU. Mais moi, je n'ai jamais été ministre. Je n'ai jamais été nommé même sur l'ordonnance présidentielle. Comment retenir la rigueur? Tu me parles ici de Lambert Mende, oui, je l'ai sali. C'est un papa pour moi. Il a été, oui, mais moi, Armand Moukoul, qu'est-ce que moi j'ai à voir? Donc, tout ce qui arrive aujourd'hui... Moi, je n'ai jamais été dans une responsabilité étatique dans ces pays, avec Joseph Kabila. Parce qu'on a retourné en Oyeb, nous avons été, non. Donc, la volonté hypocrite, c'était Joseph Kabila. Aujourd'hui, la volonté politique, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Mais je dis ça pourquoi? Parce que le président Tshisekedi d'aujourd'hui est en train de subir. Il est en train de subir la mauvaise gestion des crises frontalières de Joseph Kabila. Mais c'est ça la réalité. Tout le monde est. Oh, mon amour. Ce qui Joseph Kabila, il est en train de papa, nous avons signé. Vous allez vous rappeler des plusieurs accords que la RDCAI a signé avec Kampala, Kigali, M23, ORDF, FDLR, ainsi, Mayoba. Mais papa, combien de groupes armés au Bissoto, oh, tu sais qu'il a hérité dans Boko Haram? Tu sais qu'il est venu trouver ces pays avec plus de 123 groupes armés. Papa, mais à toi, Bengue, au Balobi, aux Anzambé, ceux qui ont milité, aux ceux qui diable, ceux qui savent. Moi aussi, c'est un balamour. Il faut qu'on nous au Kotana la fond. Ça a été quoi? Bako Hamelo, Baginini. Moi, on a battu Fati, a commis là-bas problème. Sur rien à moutou na yende ngazan. Mais toujours par tout ça pourquoi? Parce que Thomas Gérard Avaye, il ne savait pas comment planifier les choses. Ils ont signé des accords monstres. Des accords destructifs de notre pays. Les lois makambu yango. Oba makambu kagame kuna na coin coin kuna oba respecte accord na ngati. Mais nani a signé na oba accord kagame? Fati n'a pas signé des accords militaires avec toi. Fati n'a pas signé des accords de répartition de terres. Oh, bah, tout qui, oh, bah, tu sais qu'elle n'a pas fait ça. Nana Salam. Mais qui a fait ça? Mais c'est Kabila. Quand on dit le gouvernement de l'époque, Kinshasa, le 23 mars 2009, Kinshasa signe des accords avec les M23. Qui était président à cette époque-là? Quand on vous dit le gouvernement congolais signe des accords avec le Rwanda, qui était à cette époque là président de la République? Qui était ministre? Il faut maintenant commencer à faire la relecture de l'histoire. Nous devons lire l'histoire. Tout simplement rétropédalage, Moko, Tonis Kogotala. Ah, à cette époque là, qui était ministre des Affaires étrangères? Oh, Raymond Tshibanda. Ok. Dungamulung. Accord avec le Bagini, donc vous fiez. À cette époque, notre Bakenara dit sa débat. Ok, accord avec le Bagini, donc vous fiez. Oh, à cette époque, les Aguinaka de Cher Gel. À quoi on est le Bagini? Mais pourquoi gouverner? Il faisait tout cela, c'est vrai. Les lois et qu'on dévoile les pays, ils allaient signer pour que tout le monde soit congolais. Qu'est-ce qui se passe, moi? Non, mais les accords entre États ne se dévoilent pas comme ça sur la place publique. Quand Bozoka, par exemple, les lois, Bozoka qui est Conseil de sécurité des Nations Unies, à Congo, mettre ma sanction. Papa, mais c'est parce que le président Tshisekedi a mis en place une technique diplomatique multidimensionnelle. Ça veut dire tout simplement que le président Tshisekedi a placé les jokers sur le plan diplomatique. On ne le baso détruit du soba ya kagam. Ah, on a ministre sommet, le président Fatia Outi Koza, la ministre sommet. Union africaine. Oyo et Outiko Salama na nini na Addis Abeba. Non, na Addis Abeba. Où nous avons vu Joao Lero Lorenzo qui est en train de jouer
quoi, la médiation qu'on soit entre la situation, pour la, concernant la situation qui s'est vue dans l'est de notre pays, entre le président Tshisekedi et Paul Kagame. Le président Tshisekedi l'a dit très clair. Il a dit, avant tout, comme on a matambia, qu'on a matambia paix. Nous devons d'abord déconstruire les mensonges, attaquer les mal, et puis après nettoyer ce qu'on consolo là, Makambo et Tali, paix. Ça dit, on va dire qu'on a manipulation. Parce que Kagame, t'es un sanguinaire. Kagame a vivant, et kaka, n'a pas même ya Congo. Papa, t'as un autre monde à côté de pouvoir. Si le loué du Kagame, vous savez, Kagame a fait combien des années depuis qu'il est président du Rwanda, après d'avoir assassiné qui a Birmanie, Mouto Azaki en Avaye. Vous savez, Kagame a fait combien des années? Kagame, c'est le plus grand de tous les dictateurs de ce monde. C'est le sanguinaire le plus puissant de tous ces mondes. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire. Alors, Kagame, est comme un lien, Rwanda, et ça toujours derrière les lois, il y a Congolais dans l'Est, Makila, il y a Congolais, qui y a minéral, exploitant illicitement. Alors maintenant, la communauté internationale, tellement la communauté internationale, selon la diplomatie de la politique extérieure, c'est comme une personne qui a plusieurs têtes. Sera lié à la moutou au côté, à mon moutou au côté, à l'yaki, bah, kati mouandamou, il faut l'ouka te côté, moussou, à bambi, sou, sa zu, à lié, à te côté, moussou. C'est comme ça que vous voyez cette complicité continue à traîner, persiste. Parce qu'au même moment, le président Tshisekedi met en place une politique d'ouverture d'esprit, d'ouverture de partenariat. On vous dit, venez par la porte. Si vous voulez profiter d'un quitter un mot cannabis, bon, il y a officiellement la porte. Mais si on est aux anneaux, tu as la gagnant dans un partenariat bilatéral, n'est-ce pas là? Bien au besoin, vos yeux autant, biso comme peut-être aux anneaux matériel à te, ou il y a eu qu'on industrialisé pour mes cannabis, bien au besoin, n'est-ce pas? Bon, vos yeux, ok, biso peut-être aux yeux, biso pour mes cannabis, bon, ça, n'est-ce pas? Autre autonomie, nous allons dire, ok, bon, tout. Après, on a trouvé une expertise, par exemple, dans le domaine agricole. Mais la communauté internationale n'en veut pas. C'est ça le problème. Mais tout le monde est déjà. Ils sont toujours derrière. Oh, Kagame. Tantôt, ils entrent en Ouganda. Mais tout ça. Accord, c'est complicité. Accord, il y a global gay. C'est complicité. Tu vas signer entre l'Union européenne et Rwanda. Les républiques démocratiques du Congo, ils allaient qui présenter la COP 27 comme pays solution. Mais pays solution, il y a Rwanda. L'Union européenne a qui vous signé effectivement, la Rwanda. Nous étions ici dans la COP 20. C'était COP 27, non? Nous étions ici. Il y a eu des commissions multisectorielles dans le domaine de l'environnement. Bien élaboré, bien traité, bien effectué, bien étudié minutieusement. Et puis la RDC a été plébiscité comme le pays solution. Papa, madame Ropou, mais son en réalité, ma camboana tout ça, là, on a l'Union européenne. Mais finalement, on est où? Quand on veut découvrir ça, on va dire quoi? C'est la complicité. Tiens, dans ce monde ici, mais même ma lingite Congo et Abisso est tellement. Parce que le Congo, c'est la gâchette de l'Afrique. François Fanon, le Bayango, on m'a dit peut-être une sorte de néglige à Kababilo, au Missus. Il y a eu des savants qui ont parlé du Congo. Il y a eu des grands esprits, le roi Kwame Nkrumah, Balobela Congo. À part Balumumba, Baoya Bissoumou, Ebele, Thomas Sankara, Balobela Congo, Bamandela, Balobela Congo. Mais apparemment, Bissoumou, le Congo, la net, c'est un peu plus en Syrie. Mais le gouvernement congolais comment pouvez-vous imaginer Mutulogo la Wilingoma? Oh, le lona yoki na moni na tangaki, Conseil de sécurité des Nations Unies a sanctionné Wilingoma, porte-parole M23. Avec un certain nombre de bateaux, bazo va soutenir M23. Qu'on sanctionne Wilingoma, oui, c'est bien bon. Soit vous sanctionnez Wilingoma, ça va changer quoi? Ça va changer quoi? Entre temps, on va prendre Pologne à Bimi, on va soutenir Rwanda sur le plan militaire. Qu'on sanctionne Wilingoma, ce n'est pas ça la solution. Et il faut sanctionner Kagame. Kagame, il ne faut pas sanctionner. Le problème, ce n'est pas Wilingoma. Il ne faut pas toucher les nœuds du problème. Il faut toucher le cœur du problème. Parce que vous pouvez tirer une balle sur quelqu'un ici à Kyopita.
va traiter à Biki. Mais quand vous le tirez ici au Kiabo, tout est monde qui brûle à Koufi, madame Messili. Ça veut dire tout simplement que dans l'obité que Babou Makaba. Mais ça veut dire tout simplement que le vrai problème ici, c'est Paul Kagame. Donc il faut toucher Kagame. Il fallait pas sanctionner ma personne, on est Kagame. Non, toi, Kagame, la minute, tu retires le financement, boy. Kagame, la minute, tu recommandes les sous, par exemple, à l'Europe, tu Kagame, on vient en embargo militaire. Kagame, recommandes les sous, Amérique, tu à ce moment-là, nous allons comprendre que, ah, ça c'est bon. Maintenant, la communauté internationale a compris. Non, si longtemps, on a multiplié la stratégie, moko, y a bilo, moko, y a l'okuta. Non, non, moi, je suis la communauté internationale. Le Conseil de sécurité des Nations Unies est dans l'hypocrisie. Et dans l'hypocrisie. Moi, j'ai toujours dit ça. Ils sont dans l'hypocrisie. Et le gouvernement, les gouvernements. On voit la Moussa Fakite, président de la commission, il y a commission de l'Union africaine. Moussa Fakite, où tu es là? On a communiqué, moi, où tu es là? Azosenga ba batika la batika kokotana batika ko continuer na ba ingérence na makambi ba africain. On va continuer avec ça jusqu'où. Joseph Kabila nous a promis une paix ici, une paix de terres, une paix mais de terres. Pourquoi une paix de terres, papa? Il a signé ba corps obis au nom de la paix. Après comme susu on respecte accord en haute. Après, comme oh, t'es, et ça pour Dan Gettler, il fallait comment exploiter ma minerai, mon kuna, ma soeur qui bien tenait pas le cadavre, mais il y a moins de créer qui bat tout, ma guerre, il fallait mon soeur là, pour des lobbying. Mais je te dis, on est où est-ce qu'on aime ces pays? Oh, mais tout m'a est-ce que tu es le thé, mais pas comme bout. Et c'est le moment qu'il faut conscience nationaliste. C'est pourquoi quand vous voyez les présidents Tshisekedi, n'aménage aucun effort. Les présidents Fatih est très déterminé. Allah la rali sous terre. T'as la fatigue bien. On comprend que le président Fatih a maintenant une. Azan a fardeau sur qu'on a kata moutounaï. Partout, Azan qui est nika ramara maestre. Kamara maestre. Oh, aïe me rekouta bilo wa. Yé angani, a sala rébellion te. Yé angani, a simane moutou kite. Yé angani, a momane moutou te. Fatih angani, a tikala naeta otani samakila moutou te pour la pouvoir. Il a fait la politique normale selon les normes diplomatiques. Plutôt selon les normes démocratiques, tu as commis les présidents. Même les faits, tiens, c'est rien dans mon nom. A-t-il un négociant rébellion?